King of Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information ? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux au jour d'aujourd'hui où nous commençons la semaine avec des nouvelles très chaudes qui proviennent de la République démocratique du Congo, notre pays, où nous sommes censés de vous apporter toutes ces informations qui sont très très utiles pour la communauté. L'information, c'est quoi, aimable téléspectateur? Un conflit oppose la communauté Benampande dans la chefferie de Basanga au bourgmestre de la commune de Likasi, M. Olivier Kiboko, depuis quelques jours. Ça fait vraiment à la une, hein? Ça brouille là-bas au niveau du village Kabungu, où la chefferie, où les Benampande s'étaient réunis pour organiser les différentes manifestations, entre autres celles de l'installation du comité national de l'Onzo Loa Mikuba. Avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous demande une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne. Triomphe Congo Télévision, cette chaîne qui fait la fierté du journalisme en République démocratique du Congo. Abonnez-vous, partagez nos vidéos, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur tout ce que vous allez suivre sur cette chaîne, ces médias en ligne, Triomphe Congo TV. Nous sommes sur toutes les plateformes du réseau social, nous sommes partout, vous allez nous trouver sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, qu'on continue à appeler X. Et vous allez aussi nous suivre sur TikTok, même sur Signap. Nous sommes là pour vous servir. Alors, pour nous encourager, essayez tout simplement de liker nos vidéos et de la partager et de vous abonner surtout massivement. Alors, nous sommes obligés de vous apporter cette information. Qu'est-ce qui s'est-il passé au niveau de la chefferie de Basanga? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une rencontre où on devrait installer le comité national de l'association Lwanzo Loa Mikuba. Le grand chef Pande était là. Cette cérémonie s'était organisée à la cour du chef, qu'on appelle le Kimpangu de chef. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Olivier Kiboko, qui est bourgmestre de la commune de Likasi, parce que cette cérémonie s'est déroulée à une trentaine de kilomètres de la ville de Likasi. Alors, monsieur Olivier est venu, il s'est imposé, il a dit, mais je suis quand même vice-président de cette association, je dois installer les effigies, mes effigies à moi en tant que bourgmestre, en tant que membre du parti politique, l'UDPS, en même temps, installer les effigies du chef de l'État. C'est là, contrairement à la coutume sangafone. Alors, il y a eu la résistance de certains cadres, de certains notables de la cour royale qui ont dit ouvertement au bourgmestre que vous n'avez pas droit de venir installer les effigies, vos effigies à vous, dans la cour royale parce qu'il y a des interdits. Face à ça, le bourgmestre s'est imposé. Suivez ce que je vous propose là comme image de la cérémonie et aussi vous suivrez comment le chef s'est installé, tout ce qui était, comment était la cour et ce qui s'en est suivi. ¡Vamos!
Voilà, aimables téléspectateurs, nous continuons. Après avoir eu cette résistance, comme vous venez de suivre là la cérémonie, comment est-ce qu'elle était, le bourgmestre s'est plaint au niveau des services de sécurité de l'ICACI pour qu'on puisse arrêter et mettre à garde à vue le comptable Kelly, qui est le comptable de la chefferie de Basanga à Kabungu. Pendant ce temps, comme vous avez aussi entendu, le comptable n'était plus là, il n'a pas assisté à cette cérémonie, il s'est déplacé à Lubumbashi. Suivez, face à tout ça, la communauté Sangha s'est réunie le 5 de ce mois, de septembre, pour prendre une certaine décision, une certaine mesure face au comportement du bourgmestre de la commune de l'ICACI, M. Olivier Kiboko. Suivez. République démocratique du Congo, province du Haut-Katanga, territoire de Kambov, chefferie de Basanga. Déclaration de Benampande. Nous, le Basanga Benampande, toutes les couches confondues, avons appris avec indignation qu'elle est de notre nommé Kassopé Wakassopé Kelly, comptable de la chefferie de Basanga, serait acquisé à l'Agence nationale de renseignement ANR, en sigle, pour motif qu'il aurait terni l'image du chef de l'État et du tribalisme lors de l'événement de l'installation de l'association Luanzo Luamikuba en date du 24 août 2024, selon la dite accusation. Étant présent à la dite manifestation, nous n'avions pas vu de près ni de loin ces incidents attribué à notre frère, ces accusations ne sont qu'un mensongeur et des pires montages de M. Olivier Kiboko, l'actuel bourgmestre de la commune de l'ICACI, aujourd'hui champion SMR des troubles dans les Basanga en général et la chefferie des Basanga en particulier. Le vrai problème est que l'accusataire précité cherche à tout prix faire partir le comptable de la chefferie et le remplacer par son frère, préparé par lui, afin de lui permettre d'avoir un contrôle permanent d'exécutif de la chefferie, après avoir réussi à faire partir l'ancien Sécade par le manœuvre de même genre. C'est une pure histoire du corbeau et renard que nous vivons à ce jour dans la chefferie des Basanga. Que doit comprendre aussi notre grand chef, Kiamula Lanchi, Kabola Neba Kwabo, boucher ITT. Mais comprendre que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Pour ce faire, nous rappelons à M. Olivier Kiboko qui s'est permis de porter le chapeau dans la cour royale sans respect ni considération de ses liés, symbole de manque de respect à notre grand chef, et qui s'est permis d'utiliser les noms du chef de l'État pour un positionnement et le règlement des comptes, de savoir que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à qui nous rendons un vibre hommage, est bien notre père, tous que nous aimons et respectons. Et surtout, étant un artisan de la paix,
dans notre chefferie. Cependant, nous condamnons avec la dernière énergie cet acte barbare, calomniateur et provocateur qui ne vise qu'à déstabiliser notre chefferie. Rappelons à M. Olivier Kiboko que les Bassangas ont besoin de vivre dans la paix et construire leur chefferie, qu'est de réveiller les esprits des morts qu'a connu cette entité pendant plusieurs années. Sinon, il ne pourra pas gérer les conséquences qui en découleront. Ainsi, nous demandons à l'autorité de l'État de rejeter ces accusations mensongères qui vont dans le sens de non-respect des droits de l'homme et dont son objectif est de déstabiliser cette chefferie dont l'histoire est bien connue. Enfin, de préserver une paix sociale en laissant notre frère de circuler et vaquer librement à ses occupations. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Bassanga Benampande, nous vous remercions. Ayant entendu toutes ces réactions, votre rédaction a pu joindre au niveau du village Kabungu le président de la jeunesse des Benampande, qui sont de la chefferie des Bassanga, M. Dan Ngoi Mulunda, qui est le président de la jeunesse Lonzo Lwamikuba, qui est revenu sur ces dossiers. Suivez et nous allons y revenir tous juste après. Monsieur Dan Ngoi Mulunda, bonjour. Bonjour, bonjour Triomphe Radio. Oui, monsieur Dan, vous êtes membre de la communauté sangafone, hein? Aujourd'hui, cette communauté des autochtones s'insurge contre le comportement du bourgmestre de la commune de Likasi, M. Olivier Kiboko. Et cela est issu surtout de la réunion qui s'est tenue le 5 septembre où il y a eu des prises de position. Est-ce que nous pouvons savoir les contenus de cette réunion? C'était quoi? Ah d'accord, merci beaucoup. Là, je vais commencer d'abord par préciser que je suis le jeune autochtone de la chefferie des Bassanga, précisément des Benampande, où je suis en train de diriger la Ligue des Jeunes. Je suis le président. Oui, vous êtes le président. Nous nous retirons à cette fonction. Oui, maintenant dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est que c'était passé. Je crois le bourgmestre de la commune de Likasi a y apporté plainte notre comptable de la chefferie des Bassanga, dans notre entité de la chefferie, lui qui est délicacy. Et cela dit à une activité qui s'était passée à Kabungu. Une activité qui était qui était prévue pour installer des comités nouvellement élus par l'association socioculturelle Lwazolwamikuba. Et cette activité s'est passée. C'était organisé dans la cour royale de la chefferie de Bassanga chez Moulopo Mpande. Oui, vous disiez Kabongo, c'est à combien de kilomètres de la chefferie de Moulopo? Oui, le village Kabongo, c'est là où l'événement s'était passé. Et le village Kabongo, c'est le chef-lieu de la chefferie de Bassanga. Tout à fait. C'est là où se trouve même l'administration de notre chefferie. Mm-hmm. C'est à 30 km avec 35 km avec la ville de Likasi. Alors, dans cette rencontre là-bas, il y a eu quand même. Cette activité était apolitique, c'est une activité socioculturelle, mais où les bourgmestres de la commune de Likasi voulaient faire du chantage, montrant comme si c'est lui qui est vraiment la personne qui aime le chef de l'État, qui est tout le monde. Il était venu parce qu'on lui avait recadré la manière de faire. Alors, il n'était pas content, vu les conflits qui existent entre les comptables et les bourgmestres. Les bourgmestres qui enviaient ses postes, là, du comptable, il a toujours cherché des ennuis pour savoir comment se débarrasser du comptable de la chefferie des Bassanga. Oui, oui, vous dites il y a eu ces mouvements du bourgmestre vers cette cérémonie. Qu'est-ce que les bourgmestres voulaient faire que le comptable a refusé? Ah oui, les bourgmestres, normalement, ils voulaient mettre ses photos, ses effigies dans la cour royale, ses effigies à lui.
Pourtant, lui, il était juste le vice-président. Il n'était pas le président national qu'on avait élu. Alors, lui dire que non, toi, tu n'as pas le droit de mettre ces photos. Et puis, dans la cour royale, ce n'est pas autorisé que ces photos puissent afficher. Alors, il s'est énervé. Il a dit, non, toi, tu peux me contredire comment. Moi, je suis une autorité et tu vas voir ce que moi, je vais faire. Et tu ne seras même pas comptable. Mais le comptable aussi, là-bas, il n'était même pas... Après avoir juste recadré ces choses, il avait même quitté Kabongou pour Lubumbashi. Il avait laissé les activités continuer. Mais nous, qui étions présents, tout le monde qui était présent, il n'y a pas eu vraiment d'autre acharnement à part le recadrer au début de la manifestation. Bon, le recadrer lui dit, en lui disant quoi au juste? Parce qu'on ne comprend rien. En lui disant de ne pas mettre ses photos dans la cour royale, dans l'équipango de Mulopwe. Parce que dans la cour royale, il y a des interdits. On ne peut pas mettre n'importe quoi ou n'importe où, car c'est la coutume. Alors, lui, en étant les responsables de cette entité aussi, les comptables, il fait partie parmi les responsables de cette entité de la chefferie de Bassanga. Il a accueilli les invités. Il doit quand même dire aux invités qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors, par là, il a eu à recadrer notre frère Olivier Kiboko, lui disant « Tu n'as pas le droit de mettre tes photos parce qu'il n'y avait même pas eu les photos du chef de l'État comme le bourgmestre l'a dit, parce que cette activité était socioculturelle. C'est lui, avec ses photos, qu'on avait refusé qu'il puisse placer ses photos dans la cour. » Maintenant, on a refusé qu'il mette ses photos dans la cour, et le comptable qui lui a recadré. D'abord, le comptable s'appelle comment? C'est le comptable de la chefferie de Bassanga, il s'appelle Kasopekeli. Voilà. Maintenant, vous avez dit que le comptable n'a pas assisté à cette manifestation et qu'il a pris son véhicule pour Lubumbashi. Mais qu'est-ce qui s'est passé après que vous ayez, vous, les Bassanga, refusé que M. Olivier Kiboko puisse installer ou implanter ou faire afficher les effigies du chef de l'État et de lui-même dans la kimpango du chef? Oui, après avoir recadré à M. Olivier Kiboko, vu qu'il y a eu des accrochages, M. Olivier Kiboko était loin de comprendre. Alors, pour éviter les dérangements, les désordres, parce que cette activité qui s'est passée était communautaire, pour l'intérêt communautaire, nous tous, on était présents pour cette activité. Le comptable avait quitté, il avait pris son véhicule vers Lubumbashi. Et après ça, les activités étaient passées. Les effigies, M. Kiboko avait maintenu cela parce que c'était déjà l'absence du comptable. Donc l'activité s'était bien passée, ça avait bien commencé et bien terminé. Mais curieusement, après l'activité, nous voyons qu'il y a cette plainte remplie de calomnies et l'esprit des règlements de compte en utilisant le nom du chef de l'État pour porter préjudice au comptable de la chefferie de Bassanga. La plainte a été déposée où? La plainte était déposée au niveau de Redoco de l'ANER. Et c'est là que le comptable est gardé jusqu'à ce jour? Le comptable n'est pas encore gardé, mais il est invité. Il y a eu quelques soulèvements des autochtones qui ont refusé que le comptable puisse aller chez les ANER après avoir analysé que tout ce que M. Olivier Kiboko fait, c'est un règlement des comptes, parce que la chefferie de Bassanga et la chefferie de Bayeke, parce que M. Olivier fait partie de la chefferie de Bayeke, lui, il est de la chefferie de Bayeke. Mm-hmm. La chefferie de Bayeke et la chefferie de Bassanga, il y a quelques conflits qui existaient des générations, qu'on ne veut plus en revenir. M. Olivier Kiboko, c'est dans ce sens-là qu'il a voulu détruire l'un de nous. Et c'est par là que les autochtones de la chefferie de Bassanga n'ont pas voulu accepter que M. Olivier puisse porter plainte M. Kelly Kasopekeli, le comptable, car s'il y avait eu des préjudices, des dérapages, c'est lui qui a le droit de sanctionner le comptable, c'est le grand chef lui-même. Et maintenant, pourquoi vous vous êtes réunis et prendre des décisions? Qu'est-ce qui est sorti de vos décisions? Oui, ce qui est sorti de nos décisions. Nous nous sommes réunis d'abord, premièrement, parce que nous nous sommes vus attaquer chez nous et injustement, avec des plaintes remplies de mensonges et de calomnies.
Et on a compris que l'intention n'était pas bonne, c'était de nous nuire. Alors, on a trouvé l'urgence de se réunir. Question de parler, de descendre sur terrain, vérifier ce que M. Olivier Kiboko, est-ce qu'il a des preuves ou il n'a pas des preuves? Est-ce que ce qu'il a dit c'est vrai ou c'est pas vrai? Après avoir fait des enquêtes, nous avions compris qu'il n'y a pas eu ce que M. Olivier Kiboko a donné comme plainte. Et par après, la communauté s'est décidée que les autorités, nos autorités, que les chefs de l'État, les ministres de l'Intérieur, ainsi que toutes les autorités qui suivent, qui puissent nous aider à mettre main levée par rapport à cette plainte remplie de calomnies que M. Olivier Kiboko est en train juste de faire une mauvaise campagne contre le chef de l'État dans notre communauté, pourtant que le chef de l'État est aimé par tous les peuples de la chefferie de Basanga. Donc, on s'est réunis pour demander l'annulation de cette accusation et l'implication de nos autorités pour régler à l'amiable cette problème, cette affaire. Oui, et pourquoi vous n'avez pas invité M. Le bourgmestre Olivier Kiboko dans ses assises pour lui dire la vérité en face, parce que c'est un membre de votre communauté? Mais c'est Olivier Kiboko, il est le membre de la communauté, dans notre communauté, association socioculturelle. Mais il n'est pas Mouinambande, mais Olivier, lui, il est de la chefferie de Bayeke. C'est un Yeke, et nous, on est les Basanga. Et comment un Yeke peut venir déposer ses effigies dans une réunion de l'association socioculturelle de Basanga? Est-ce que ce n'est pas une entorse? Voilà, donc c'est ce qu'on est en train de parler, parce que lui, dans notre association L'Oiseau, ça régorge presque beaucoup de tribus. Donc, tous les Boussanga en général, il y a même les Yeke, il y a les Kaoundé, il y a les Balamba, il y a les différentes tribus, mais tous ne sont pas autochtones de la chefferie des Basanga. Mais c'est là où on se réunit seulement, nous tous, les Basanga, éparpillés de partout dans le monde. C'est une juste communauté qui réunit tous les Basanga qui se trouvent dans le monde. C'est Olivier seulement la connotation qu'on lui a donnée du vice-président de cette communauté, de l'association socioculturelle Oiseau-Lami Kuba, qui l'a permis de faire carrément cet intox dans notre Kipango, d'abord de sacraliser notre Kipango, à ne pas respecter la coutume. Vous avez trop détaillé les choses. En ce jour où vous êtes très touché, victimisé par le comportement du vice-président de votre association, quel message avez-vous à lancer à vos membres et à toutes les autorités de la République qui vous suivent au jour d'aujourd'hui à travers Triomphe Congo Télévision? Ah, merci beaucoup. Les messages que nous voulons lancer, c'est juste premièrement... Nous voulons demander à notre chef de l'État garant du bon fonctionnement, le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous aider à régler cette affaire dans l'amiable, car cette affaire n'est pas vraie. C'est une affaire vraiment fondée, remplie de haine, juste qui va servir au règlement des comptes en utilisant le nom du chef de l'État. Le comptable Kelly, premièrement, d'abord, lui aussi fait partie du parti, les membres de l'Union Sacrée. Les Moulopo est le grand chef de notre chefferie, il est député national et il est député de l'Union Sacrée. Donc nous avions beaucoup d'espoir envers le chef de l'État. Et nous voulons que le chef de l'État puisse sanctionner M. Olivier Kiboko, qui est maintenant, qui se distingue par les comportements de ses maires, des troubles partout dans la communauté, même chez eux, chez les Yeke là-bas, il y a les mêmes problèmes qu'il a fait avec la chefferie des Basanga. Nous voulons que M. Olivier Kiboko puisse être interpellé, qu'il puisse savoir qu'on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi au nom du chef de l'État. D'abord, nous avons demandé à notre peuple de se calmer et de ne pas céder à cette attaque, car nous savons que cette attaque, derrière cette attaque, il y a une mauvaise intention, et puis le peuple Sanga a toujours été hospitalier. On ne peut pas se mettre à chasser les autres depuis longtemps, on est habitué de vivre ensemble. Et nous demandons aussi au ministre de la Justice, Excellence Constant Mutamba, de vraiment nous aider à régler ces conflits et de dire à M. Olivier Kiboko de se concentrer seulement dans son entité de la commune de Likasi, dans la ville de Likasi, de laisser la chefferie de Basanga tranquille, sans dérangement et dans la paix. Aimable téléspectateur de Triomphe Congo Télévision, vous avez suivi les grands conflits qui existent
dans l'association socioculturelle Luanzola Mikuba pour ce conflit est opposé le bourgmestre de la commune de Likasi aux ressortissants de Basanga dans la chefferie Mpande. Monsieur Ngoy Mulunda Dan, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Voilà, aimables téléspectateurs, vous venez bien de suivre d'abord la déclaration de Benam Pandé, qui sont de la chefferie de Basanga. Et vous avez encore suivi l'entretien que votre rédaction a eu avec Monsieur le Président de la jeunesse de Luanzola Mikuba, dans l'espèce du Grand Katanga, et Monsieur Dan Ngoy Mulunda. Mais aussi, nous avons pu joindre pour équilibrer l'information, pour question de savoir quelle est la réaction, après tout, du bourgmestre de la commune de Likasi, Monsieur Olivier Kiboko, qui a refusé catégoriquement de répondre à nos micros. Et il a dit, lui était autorité, et quand il y a quelque chose qui touche à son honneur, la solution serait de recourir au service de sécurité. Voilà, il y a là un problème de coutume, de jus et coutume, et il y a un problème du respect envers l'autorité coutumière, qui est le grand chef Pandé. Alors, à vous de juger, aimable téléspectateur, qui a tort, qui a raison. À tous et à toutes, il ne me reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et bonne condition d'écoute. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe.